Bonjour à tous. Les signes de cancer, votre tirage, etc. sont valables jusqu'à la fin de l'année. Alors, on commence avec les cartes que j'ai tirées avant. On va voir, après j'ai complété avec l'oracle, voir les blocages chez vous. Qu'est-ce qu'il bloque après pour votre vie générale. Alors, les cartes 2, l'expérience de la vie. Qui vous êtes passé, peut-être il y a un deuil qui doit faire les cancers. Prenez le temps pour vous. Vous êtes passé cette montagne. Vous êtes besoin de changer votre vie. C'était l'expérience qui vous êtes passée. Acceptez cette expérience. Soit c'est quelqu'un qui vous êtes perdu, une personne proche de vous, un deuil qui doit faire, soit amoureux, soit une trahison, soit un défunt qui est parti, doit faire les deuils à quelqu'un de la famille, ou soit c'est une relation que vous sentez comme ça, vous êtes besoin de confiance, univers, prenez soin de vous, sentez cet amour de soi, univers qu'elle demande, confiance à vous, prenez soin de vous, on voit les blocages et qu'est-ce qu'il bloque, pourquoi vous êtes arrivez pas à confiance à l'univers, ou confiance à vous, confiance à l'amour, ou vous n'êtes pas faire le deuil à une relation qui vous sentez trahi. On voit le blocage chez vous, les blocages. Comment c'est éveil? Éveil, peut-être ouvrez les yeux. Vous êtes commencé à ouvrir les yeux, besoin avancer et besoin guérir. Guérez-vous et soyez confiance univers qu'ils veulent aider pour guérir les blessures du passé. Les blocages chez vous, peut-être les deuils. Vous êtes conscience pour faire un deuil du passé ou une trahison. Encore les confiances. L'amour de soi, c'est les confiances. Quand vous commencez confiance à vous, vous sentez mieux, vous guérir. Si vous n'êtes pas confiance à vous, ou pas confiance à l'univers ou confiance à quelqu'un d'autre. Parce que ça doit travailler, ça. Rester dans la plénitude. Les confiances, c'est le destin, c'est les choses qui sont prisonnées. Vous êtes prisonnier par une maladie, par une souffrance, par une perte de confiance en soi. Éveil. Vous êtes commencé, ouvrez les yeux, vous prenez soin de vous. Restez dans la plénitude et l'harmonie. La plénitude par le métier, par les amis, une nouvelle harmonie avec les amis, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Si vous êtes seul, les confiances peut-être. Commencez à maîtriser votre confiance en soi. Alors, est-ce que cette chaîne, si vous êtes prisonnier, peut-être vous libérez quelque chose, vous commencez à lâcher prise, vous commencez à sentir mieux. Si vous êtes malade dans le passé par un deuil, une trahison, voir avec les cartes, les blocages, ça vient d'où? Votre les cancers, les colères, besoin de sortir cette colère. De quelque chose dans le passé. Besoin de faire un nettoyage, une purification. Les choses qui sont prisonnées, ou une maladie, ou une souffrance intérieure. Sortir chez vous parce que vous êtes trop enfermé. Peut-être vous ne sortez pas parce que vous n'êtes pas heureuse, ou soit vous êtes encore. Pas faire les deuils, mais vous êtes conscience, besoin de rencontrer de nouveaux métiers, de nouveaux amis, de nouvelles personnes dans votre vie. Alors, besoin visualiser une nouvelle créativité, peut-être un nouvel travail, changer de travail, travailler sur vous. Les colères, ça vient de votre enfant. Les colères, ça vient les blessures dans votre enfant intérieur ou soit votre jeunesse. Les colères, c'est vous êtes gardé ça beaucoup de temps. Nettoyage, un mauvais choix que vous avez pris dans le passé.
Peut-être vous allez libérer cette mauvaise choix que vous êtes pris. Vous êtes trop enfermé chez vous parce que vous êtes attaché à une relation que vous êtes encore pas senti libre. Soit vous n'êtes pas faire les deuils de quelqu'un qui est parti, qui est plus là, ou soit une trahison que vous êtes arrivé pas à oublier à une personne. Et vous, vous êtes besoin libéré à une relation ou à une séparation avec quelqu'un qui vous êtes marié et peut-être vous n'êtes pas accepté que cette personne qu'il parte ait besoin peut-être lâcher prise. Et les mauvais choix que vous êtes prêts, peut-être vous êtes gardé cette personne et c'était quelqu'un, il n'est pas bien. Vous êtes en face à une situation qui vous a besoin de prendre choix. Voilà, c'est ce tirage et voir sentimental pour vous. Quitter quelque chose, laisser quelque chose pour sentir libre à une trahison dans le passé. Et croire à vous, besoin, croyez à vous, qu'est-ce que vous êtes envie de faire. Ou faire confiance à l'univers, confiance à vous, il y a un changement pour vous. Et vous êtes en face à une situation que vous avez besoin de prendre choix, fermer une porte et ouvrir l'autre porte, quitter un passé, quelque chose dans votre jeunesse, une souffrance dans un enfant, ou soit vous êtes en colère quand vous êtes jeune, il y a quelque chose, une blessure de votre jeunesse. Que vous êtes en face, prendre les choix, fermer, tourner les pages par le passé. Alors voilà, ce tirage fini, j'espère que ça va parler pour quelqu'un. Prenez le temps, gardez les vidéos, ça parle pour vous, j'espère. Merci beaucoup, si vous voulez me partager, abonnez-vous.